hasta ahora las relaciones con la República Dominicana y cómo cree que durará los próximos años? Hasta ahora, muy buena. Es decir, buenísima. Muchas gracias. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps et le plaisir de remercier le pays hôte, la République dominicaine, et d'une façon particulière, mon collègue et ami, le président Danilo Medina, pour l'excellente organisation de ce sommet. Je voudrais également, Monsieur le Président, vous féliciter et vous remercier de la qualité de l'accueil ainsi que de l'attention que vous avez réservée à moi et à ma délégation. Votre posture et vos actions envoient un message éloquent et sans équivoque quant au lien d'amitié, de fraternité et de solidarité qui tissent les relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Votre présence physique à mes côtés et votre soutien spontané à mon pays lors du passage de l'ouragan Mathieu en atteste éloquemment. Je voudrais donc profiter de cette tribune régionale pour vous rendre un hommage bien mérité. Estimado Presidente Danilo, en nombre del pueblo haitiano y en mi nombre propio, lo digo muchas gracias por su amistad, apoyo y solidaridad. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ce sommet m'offre l'ultime opportunité d'un déplacement à l'étranger en tant que chef d'État. Il intervient à moins de 15 jours de l'investiture du nouveau président élu de la République d'Haïti tel que fixé par la Constitution. En raison de l'immensité des tâches liées à la préparation de cet événement, j'ai mille fois hésité à confirmer ma présence à ces assises. Je tenais cependant à le faire, tenant compte de l'importance de ce sommet pour mon pays et pour ma région. Tout d'abord, il s'agissait pour moi de proclamer ma foi dans le processus d'intégration régionale incarné et piloté par cette instance collégiale, mandatée par les chefs d'État et de gouvernement afin de raffermir nos liens et rapprocher nos visions du développement économique et social. J'ajouterai également environnemental, car désormais, cette problématique doit s'inscrire dans tous nos agendas. Face aux défis communs, face aux autres blocs économiques régionaux, face à une économie de plus en plus mondialisée, il ne nous reste d'autre alternative, d'autres issues salutaires qu'une coopération renforcée et la consolidation de nos mécanismes d'intégration régionale. Cela, aujourd'hui, plus que jamais, représente la voie de l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle constitue en même temps une plateforme privilégiée pour négocier avec d'autres blocs régionaux des avantages réciproques et des facilités d'accès à de nouveaux marchés pour nos produits, nos biens et nos services. Il était donc pour moi nécessaire d'effectuer ce déplacement pour apporter la voix et le soutien d'Haïti dans les grandes décisions qui seront prises à ce sommet, y compris la signature de la déclaration conjointe. La deuxième raison essentielle de ma présence à ce grand événement se rapporte à l'opportunité qui m'est offerte de renseigner les pays amis et voisins de la situation qui prévaut actuellement dans mon pays. Les élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques qui constituaient l'essentiel du mandat qui m'avait été confié ont été tenues. Le 3 janvier dernier, le Conseil électoral a proclamé les résultats définitifs des élections du 20 novembre 2016, complétant les sièges encore vacants à la Chambre des députés et au Sénat de la République et consacrant la victoire au premier tour du 58e président de la République d'Haïti en la personne du citoyen Jovenel Moïse. Les principales institutions du pays aujourd'hui fonctionnent désormais avec à leur tête des autorités jouissant de toute la légitimité populaire.
Je saisis cette occasion exceptionnelle pour vous demander, chers présidents et chefs de gouvernement, d'apporter à ces nouveaux élus tout votre soutien dans la difficile tâche qui les attend pour relever les défis nombreux qui les attendent. De même au Parlement haïtien, représenté à ce sommet par le président et le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable sénateur Youri Latortue et l'honorable député Joseph Chancy et le sénateur Jackson Vergent qui m'accompagne à ce grand événement témoignent des bonnes relations qui existent entre les deux pouvoirs d'État. Excellences chefs d'État et de gouvernement, pour une meilleure compréhension de la situation, je rappelle qu'il y a environ un an, de sérieuses menaces assombrissaient l'avenir politique et démocratique d'Haïti. Un risque de dysfonctionnement planait sur l'ensemble des institutions de l'État. Il fallait rapidement relancer le processus électoral enclenché au cours de l'année 2015 et reporter sine die. C'est cette tâche spécifique qui m'ont été confiée par mes pairs de l'Assemblée nationale en m'élisant à la présidence provisoire de la République. Parallèlement à ce chantier politique, de grands défis économiques et sociaux nous m'interpellaient et m'imposaient. Une quête permanente et courageuse du bien-être de mes concitoyens. Permettez que brièvement, je partage avec vous quelques défis qu'on a dû relever, après quoi j'évoquerai les perspectives d'avenir pour le pays en cette nouvelle année 2017. En plus de ce contexte politique difficile, l'héritage sur le plan des finances publiques était désastreux et obligeait le recours à des mesures urgentes de redressement. La gestion macroéconomique pratiquée par le gouvernement et la Banque centrale a été marquée par la prudence et la recherche de la stabilité. Aujourd'hui, les principaux indicateurs témoignent que les résultats obtenus sont encourageants. Cette période provisoire s'est soldée par la quasi-absence d'endettement additionnel de l'État central durant la seconde moitié de l'exercice 2015-2016 et une notable diminution du déficit budgétaire ramené à 2,9% pourcentage du PIB contre 6,6% en 2015. Les réserves internationales nettes de change de la BRH ont remonté fortement, tendance inaccoutumée en période électorale. Encore une fois, Haïti a été frappé par une catastrophe, celle provoquée par l'ouragan Mathieu à la date du 4 octobre 2016. Cet ouragan a causé des plaies profondes et des stigmates encore béants. Les dommages et pertes sont évalués à 1,9 milliard de dollars. En plus de la destruction de l'habitat et des infrastructures routières et scolaires, le sinistre a saccagé notre environnement, notre flore et notre faune. L'ensemble des conséquences néfastes de la catastrophe n'est guère encore totalement contrôlé, puisque la menace d'insécurité alimentaire guette dangereusement 1,4 million de mes compatriotes. Il convient toutefois de souligner que le passage de ce ouragan destructeur a généré un exemplaire élan de solidarité humaine. Je saisis cette occasion encore une fois pour remercier l'ensemble des gouvernements, institutions et pays amis qui ont accompagné le peuple haïtien dans ces moments d'épreuve et de désolation. Cependant, Mathieu est toujours présent dans ces prolongements sinistres, car les populations des zones affectées sont toujours en situation de détresse économique, de désarroi écologique et de grande précarité sociale. Je suis arrivé à la tête du pays en février 2016, dans un contexte d'explosion proche du chaos et de l'anarchie. Le dialogue franc et honnête, initié avec toutes les composantes sociales, politique et économique a grandement contribué à débarrasser l'horizon des zones néfastes, de l'incertitude politique et du désarroi social. L'échéance constitutionnelle prévoyant le transfert pacifique du pouvoir à un président élu sera respectée ce 7 février 2017. Je suis convaincu que vous l'accueillerez, le nouveau président, comme un ami et un frère dans les prochains sommets du CELAC et que vous ne lui ménagerez point vos conseils et votre appui. En vous invitant tous et de vive voix
à participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, ce 7 février 2017, je réaffirme que je laisse un pays politiquement apaisé et institutionnellement renforcé. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, si je me suis autorisé un si long développement sur la situation de mon pays dans une réunion internationale, c'est parce que cet exercice me paraissait utile pour mieux permettre, pour mieux mettre en perspective le rôle et la place d'Haïti au sein de la CELAC. C'est en répondant à tous les critères et tous les paramètres d'un État démocratique qu'Haïti pourra mieux assumer son rôle dans l'organisation. C'est dans un climat politique apaisé qu'Haïti trouvera la latitude et la légitimité nécessaires pour évoquer ensemble avec les autres pays de la région les défis qui se posent et être en mesure de formuler ses propositions. Il était donc pour moi nécessaire de démontrer que la stabilité et la consolidation des institutions démocratiques en Haïti a des retombées positives non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. Au moment où je m'apprête à rendre mon tablier en tant que président de la République d'Haïti, il y a un statut qui m'est cher, que je ne perdrai jamais, celui de citoyen haïtien hautement concerné par l'avenir de son pays et le bien-être de ses compatriotes. C'est à ce titre et au nom de cette double préoccupation que je vous appelle au terme de mon discours à prendre la mesure du saut qualitatif que vient d'effectuer mon pays dans la construction de la démocratie et à bien vouloir offrir votre accompagnement aux nouvelles autorités qui vont présider à cette destinée. Bien que chaque pays soit responsable au premier chef de son développement économique et social, le gouvernement haïtien souhaite trouver en la CELAC le support nécessaire à son décollage économique au nom des idéaux d'unité et de solidarité ancrés dans la plus pure tradition latino-américaine et caribéenne léguée par les pères fondateurs de nos patries respectives. Les dispositions en faveur des pays de moindre développement consignées dans la charte de la CELAC devraient trouver leur plein accomplissement et leur concrétisation la plus pertinente dans le cas d'Haïti, qui pourrait alors s'inscrire au palmarès des succès et de l'efficacité de cette organisation régionale. Une telle performance requérait la mise en œuvre de la République de coopération spéciale avec la République d'Haïti, adoptée lors du premier sommet de la CELAC, sincèrement disposée à aider le pays à surmonter les obstacles séculaires dressés sur sa route depuis son indépendance. J'apprécie à leur juste valeur les réflexions menées sur cette question au cours de la 4e réunion du groupe de travail de coopération de la CELAC organisée par la présidence pro tempore de la République dominicaine les 12 et 13 janvier dernier à Santo Domingo. Ces réflexions ont stimulé et généré des progrès notables dans la mise en place de notre approche et coopération régionale, avec un accent particulier sur la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. La décision de mettre en place un programme de coopération entre la CELAC et le gouvernement haïtien en est une preuve palpable et une conclusion heureuse. Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, mon gouvernement se félicite des relations de partenariat que nous avions établies ou consolidées avec des acteurs clés et de grands ensembles de la scène internationale. Les liaisons de la CELAC avec l'Inde, l'Union européenne, la Fédération de Russie ou la République de Corée sont autant d'initiatives heureuses qui ont favorisé le renforcement des relations dans les domaines du commerce, des investissements et de la finance. L'une des retombées majeures de ces initiatives devrait engager la participation effective à ces mécanismes des pays de moindre développement de notre communauté. Dans le cas de mon pays, l'effacement d'une partie du fardeau de sa dette externe et les dispositions drastiques préconisées par les institutions financières internationales le pénalisent lourdement.
l'excluant pratiquement des bénéfices des relations privilégiées que nous avons nouées avec certains partenaires. Pour déjouer un tel scénario, il faut que le cartel de la CELA et d'autres comités désignés à cet effet fasse le plaidoyer en faveur d'une attention spéciale dévolue à la promotion des investissements dans les pays de moindre développement. Sur la base des propositions énoncées plus haut et destinées à épargner au pays les sombres perspectives de croissance qui se profilent sur l'année 2017, la communauté devrait faciliter l'investissement externe et le financement des projets dans les domaines des infrastructures et de l'énergie en vue d'aménager des retombées significatives sur le relèvement économique et social du pays, lesquelles ont été communiquées par mon gouvernement, notamment dans le cadre du forum CELAC-Chine. J'ai bon espoir que la finalisation de l'un de ces projets, suivant la procédure établie, ouvrira la voie à son exécution dans l'esprit du traitement spécial dont devraient bénéficier les pays de moindre développement. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, dans un monde fragilisé par la montée des inégalités, la menace du terrorisme et les défis environnementaux, le rôle de la CELA se révèle d'une importance capitale. Aucun pays ne peut faire face seul avec efficacité aux défis mondiaux contemporains. Les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes disposent à travers la CELA d'un puissant levier de mutualisation des politiques et diplomatiques pour affronter les menaces, pour faire entendre et respecter leur voix dans les processus de prise de décision régionale et internationale. C'est mon credo et mon espoir pour notre continent. Bon courage à vous tous, chers collègues. Permettez que j'adresse un merci spécial au président Maduro, au président Danilo Medina, au président Raúl Castro, qui ont accompagné le peuple haïtien dans les moments difficiles lors du passage de l'ouragan Mathieu. À vous tous, je dis un grand merci et au revoir. Le 7 février, je laisse le pouvoir. Ma mission est accomplie. Merci.